surtout, le premier show, bah, c'est qualification pour les playoffs. Ça, c'est mathématiquement fait. Donc ça, c'est la première bonne chose. L'autre chose, c'est bah, c'était un match de gala. C'est toujours plaisant de battre la référence du volleyball national, parce que ça reste pour moi la référence du volleyball national, ce club-là. Cette organisation-là et les gens qui la composent, ça reste le très très haut niveau et le modèle de performance qu'on a en France. Donc c'est toujours plaisant de voir qu'on les accroche, voire même plus qu'on les bat. Donc tant mieux, positif. Je crois que l'équipe, elle a joué très bien. On a choisi de partir avec des points pointus et des impasseaux pour la faire reposer. Des joueuses qui ont tout l'année qui sont appuyées beaucoup. C'était un bon choix et je dois dire qu'ils ont vraiment joué bien. Ils ont démontré d'être au niveau et ils sont montés beaucoup au niveau cette année. So I'm very very happy that we won against Cannes and it's so so big victory for us for next rounds, for next games. We are so happy for that. We are sure that we will play playoffs, so this is important for us. We took 2 points and we are ready for Paris. À chaud, c'est sûr que perdre je sais pas 2 points d'écart au tie-break, c'est ouais, c'est frustrant. Bon, après, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Il faut savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été, faire un bilan et puis avancer, quoi, parce qu'on n'a pas le temps d'ergiverser. C'est vrai que ce n'était pas facile parce qu'on revient d'une grosse performance, une grosse satisfaction. Et reprendre l'entraînement, c'est... il faut tout de suite réussir à trouver les ressources mentales, les ressources physiques. Aujourd'hui, on joue. Il y a des moments où on a très bien joué. Il y a des moments où, quand Venelle commence à défendre, elles sont quand même, c'est une équipe qui arrive à mettre énormément d'euphorie dans le jeu et aujourd'hui, voilà, on perd au tie-break. Félicitations à eux. Maintenant, pour nous, c'est dommage de perdre 15-13, mais ouais, il y aura un match la semaine prochaine encore et puis on a déjà, nous, on est clairement avec la tête au play-off. Voilà. Là, l'émotion, justement, ce soir. Alors, hein. C'est un mélange d'émotions. À la fois, bon, je pense bien sûr au collectif et tout ça, mais moi aussi, ça a été un grand jour et du coup, je suis contente que ça se finisse ainsi. C'était une belle journée pour moi et pour l'équipe et je suis très fière de tout ça, qu'elle m'ait pu faire participer à ce match en plus. Donc je suis très, très, très contente. C'est vraiment un très bon moment à vivre pour à la fois le collectif, le club et un petit peu pour moi quand même aussi. Il y a des choses positives, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Après, ce sera à moi de tirer les enseignements et de voir ce que je veux faire. Mais on a retrouvé une stabilité en bloc défense et fond de jeu de façon générale. Moi, je retrouve mon équipe sur l'engagement et l'agressivité, surtout en défense. Ça, c'est positif pour moi. Et puis, bah, même si toutes les entrées ne sont pas positives, on a pu compter quand même sur tout le monde. Et puis, ça va nous permettre de faire une belle soirée partenaire maintenant et de faire une belle fête autour de cette victoire et du club. C'est aussi important pour tout le monde qui soutient l'association, l'équipe, les supporters. Et voilà, on a besoin de tout le monde. Donc, j'espère qu'on va faire une belle fête. Voilà, et ça va faire du bien. Allez, allez.